À l'aube du 25e siècle, la pollution règne suite à l'utilisation abusive des énergies fossiles depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Le réchauffement climatique extrême est aujourd'hui une réalité et la température de la Terre a augmenté de plusieurs degrés, faisant ainsi fondre la plupart des glaciers et en augmentant le taux d'inondation dans le monde. La bonne nouvelle en ce début du 25e siècle est que la fonte des glaces a libéré des zones cultivables pour les pays comme le Canada, la Russie et une petite partie de l'Antarctique. Les nombreuses guerres nucléaires ont rendu inexploitables de nombreuses parties de la planète et il faudra encore 5000 ans à cette Terre pour perdre de leur activité radioactive. Et les seules zones qui ont été épargnées par les bombes nucléaires sont de nombreux déserts où personne n'y vivait avant la grande apocalypse nucléaire. Les descendants des rescapés des différentes guerres se sont établis dans les différentes zones désertiques et glacées épargnées lors des grandes guerres. Et la quasi-totalité de l'air restant étant désormais radioactif, pour respirer, il est nécessaire d'avoir au préalable payé sa facture d'air sous peine de mourir asphyxié. Les seules surfaces exploitables restantes sur Terre sont les nombreux déserts et les pôles qui ont été libérés par la fonte des glaces. Les nombreuses puits radioactives ont rendu inexploitables les eaux des différents fleuves et lacs et pour survivre, l'humanité doit aujourd'hui traiter toutes les eaux dont elle a besoin, que ce soit pour la consommation, le nettoyage, la culture ou bien l'élevage. Les nombreuses guerres menées par les hommes durant les années ont eu comme avantage d'accélérer le développement technologique. La fusion nucléaire est aujourd'hui de l'histoire ancienne et la quasi-totalité des centrales nucléaires existantes d'aujourd'hui sont des centrales de fusion. Le dessalement d'eau de mer est aujourd'hui une formalité. La quasi-totalité des espèces végétales ayant désormais disparu, le peu d'oxygène restant aujourd'hui est celui produit et commercialisé par les serres agricoles qui arrivent de plus en plus difficilement à satisfaire les besoins des populations grandissant de jour en jour. Les principales denrées alimentaires consommées aujourd'hui sont les algues qui produisent à la fois l'oxygène et la nourriture. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère étant aujourd'hui à son niveau le plus élevé, il est primordial pour les hommes de transformer les derniers endroits désertiques habitables de la Terre en véritables forêts qui pourront fournir en oxygène le surplus de la population. Notre histoire se déroule au 25e siècle après de nombreuses guerres nucléaires subies par la Terre qui l'ont rendue quasiment stérile. Les seuls endroits à avoir été épargnés sont les déserts du Sahara, de Californie et des zones polaires d'Antarctique et d'Arctique qui n'avaient aucun intérêt stratégique à être bombardés. Après la fin des désastres atomiques, le reste des survivants s'est installé dans le désert du Sahara qui n'a pas été touché par les explosions. Ça fait déjà 50 ans que les hommes vivent dans des abris totalement hermétiques à cause du niveau de pollution dans l'air. La vie a pour ainsi dire retrouvé son cours normal jusqu'à l'article du 12 juin de l'année 2452 qui, publié par la journaliste Cindy Miller, dénonce la liste des personnes susceptibles d'être éliminées pour économiser de l'oxygène, se faisant de plus en plus rare. À la suite de la publication de son article, de fortes émeutes éclatèrent et le nombre de survivants des précédentes guerres n'étant désormais que de 10 000 individus, de telles révoltes ne sont pas autorisées. Le gouvernement en place a mis une politique de reboisement sur pied qui devra être menée sur 500 ans, ayant pour objectif de mettre un terme au problème du manque d'oxygène. Les rumeurs circulaient alors une semaine plus tôt sur la récente découverte en pôle arctique de l'ancienne base de l'Arbus Plant, l'organisme chargé avant les grandes guerres de collecter et de stocker toutes les semences d'arbres qui existaient à l'époque. Dès lors, une équipe fut dépêchée en Arctique sur l'ancienne base de l'Arbus dans le plus grand secret pour récupérer les semences. Si la mission de reboisement devenait un succès, cela entraînerait la chute des actions des entreprises de vente d'oxygène et la fin de leur business. Une fois les graines récupérées, elles furent séparées en plusieurs stocks et dissimulées dans plusieurs endroits tenus secrets. Les graines n'étant plus un problème, il fallait maintenant rendre le sol désertique fertile et propice à l'ensemencement des graines. La fusion nucléaire n'étant plus un problème, le dessalement et le traitement de l'eau des mers radioactives est devenu une formalité et l'irrigation des zones de culture se fait de façon automatique. Nous voici maintenant 2 ans après le lancement de l'opération reboisement. Les nombreux robots et drones conçus pour effectuer le labourage et la fertilisation au moyen d'engrais et d'algues de terre de culture ont terminé les 1000 hectares qui étaient prévus pour la première salve de graines. L'atmosphère étant toujours saturée de CO2, ce sont les robots et les drones qui feront l'ensemencement. Quelques hommes en combinaison hermétique seront néanmoins là pour s'assurer de la bonne marche des choses. La joie est grande parmi la population. Depuis le lancement de l'opération de reboisement, une motion a été votée pour la diminution du prix de l'oxygène. Après 2 mois d'attente, tout le monde se doute qu'il se passe quelque chose, mais personne ne veut accepter la vérité. Les plans ne sortiront jamais de terre.
Dès lors, une enquête scientifique révèle que la forte concentration de CO2 dans l'atmosphère empêche aux jeunes plantes d'accomplir la photosynthèse. En effet, celles-ci doivent absorber du CO2 en journée et rejeter de l'oxygène et faire l'opération inverse la nuit. Or, la forte concentration de CO2 empêche une absorption d'oxygène la nuit. La seule solution est donc de nourrir les jeunes plantes en oxygène jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge propice pour être indépendantes. À l'annonce de cette nouvelle, la panique s'installe et les propriétaires des industries de production d'air en profitent pour lever la motion de censure et augmenter les prix de l'oxygène. Une période de grand rationnement de l'air commence et personne ne veut céder son oxygène à des plantes qui mettront des années à être indépendantes et pouvoir subvenir à leur tour à la production d'oxygène. Plusieurs personnes militent pour que les privilégiés et les hommes politiques dépensent moins d'oxygène et utilisent le surplus pour subventionner quelques arbres, mais en vain. Le gouvernement promet la relance du projet reboisement pour calmer les manifestants, repoussant à chaque fois la date de quelques mois, de quelques années. 6 ans après l'abandon du projet reboisement, les conditions de vie sont devenues de plus en plus dures, car l'air se faisant de plus en plus rare, de plus en plus cher. De nombreuses personnes deviennent dépressives à force de manquer d'oxygène. Les maladies respiratoires sont le lot quotidien des médecins. Un groupe d'une centaine d'individus, dont Gustave Henry était le meneur, se dit prêt à donner leur oxygène pour la culture de 1000 plants d'arbres. Le laboratoire scientifique étant en pleine expérimentation d'une cryogénie comme technique de sommeil profond, ceux-ci acceptent d'être des cobayes de cette expérience audacieuse. 5 ans après le sacrifice des 100 volontaires, les plants d'arbres ont atteint la maturité nécessaire pour être replantés dans la nature. L'opération s'avère être un franc succès au-delà de toutes les attentes. Les 1000 plants d'arbres produisent assez d'oxygène pour subvenir aux besoins des bientôt 15 000 survivants. Nos 100 volontaires sont désormais des légendes. Malheureusement, les nombreuses tentatives pour les sorties de cryogénie se soldent par des échecs. En mémoire de ceux-ci, le gouvernement relance officiellement le projet reboisement qui, à la fin du 25e siècle, aboutit au reboisement de tout le Sahara. Plusieurs colonies sont envoyées dans tous les autres déserts du monde pour en faire de même.